Bienvenue à une capsule d'activité physique conçue par l'équipe de kinésiologues du programme Santé globale du CIUS de la Capitale-Nationale. Le degré de difficulté présenté dans la capsule peut varier selon votre capacité. Il est donc de votre responsabilité d'adapter le niveau d'activité physique à votre condition actuelle. Durant l'exercice, si vous ressentez un malaise, une douleur, des étourdissements ou une fatigue excessive, contactez votre médecin ou votre kinésiologue. Soyez donc vigilant, respectez vos limites et surtout, amusez-vous. Bonjour, je vous présente Mélanie et moi-même, Joannie, kinésiologue au programme Santé globale du CIUS de la Capitale-Nationale. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'entraînement extérieur facilement adaptable pour l'intérieur. Nous vous proposons trois blocs de trois exercices que vous pouvez répéter deux à trois fois. Nous vous conseillons de débuter par un échauffement de 5 minutes, soit de la course sur place, des levées de genoux, des jumping jacks, de la danse, quelque chose que vous aimez. Durant la séance d'aujourd'hui, Joannie fera la version plus facile des exercices et moi, je ferai la version plus difficile. Durant l'entraînement, vous pouvez toujours passer d'une manière à une autre, selon vos capacités. Alors, passons au premier exercice. Donc, allons-y avec le squat. Première des choses, toujours positionner les pieds largeur des hanches, les pieds alignés avec les genoux avec les hanches et garder le regard au loin. Vous commencez le mouvement avec les hanches en portant loin derrière le fessier, comme si vous alliez vous asseoir et vous vous relevez. Version plus difficile, on va faire un squat et demi, donc un squat avec rebond. Largeur des pieds, largeur des épaules. On vient, oups, rebond et on remonte. Donc, allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Deuxième exercice du premier bloc, nous allons venir travailler les mollets. Donc, toujours les pieds largeur des hanches. On peut prendre un appui ou pas. On va venir monter sur la pointe des pieds, puis on descend. On monte et on descend. Version plus difficile, même chose que Joannie, sauf qu'on le fait à une seule jambe. Donc, on monte sur le bout des orteils et on descend. Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Troisième exercice du premier bloc. On va venir faire une abduction de la hanche. Donc, toujours pied largeur des hanches. Nous commençons par la droite. On vient ouvrir et on ramène. Assurez-vous de garder le corps droit, les abdominaux gainés et le regard loin devant vous. Donc, voilà. Version plus difficile, on va ajouter un squat. Donc, on descend, on relève, abduction de la hanche et on revient. Et c'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Génial! Première série du premier bloc complété. Allons-y pour la deuxième série. Donc, le premier exercice, comme tout à l'heure, le squat. On y va pour 12. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Deuxième exercice, les mollets. Tout à l'heure, on a fait le pied droit. Maintenant, on va faire le pied gauche. Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice du premier bloc, l'abduction. Tout à l'heure, j'ai fait la jambe droite, je passe à la jambe gauche. Même chose de notre côté. Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Génial! Premier bloc complété. Allons prendre une gorgée d'eau. Donc, on passe au deuxième bloc d'exercice. Premier exercice, les push-ups. Pour ma part, vous allez utiliser le haut de la table de pique-nique. Et assurez-vous d'avoir les mains largeur des épaules, pratiquement sous les épaules, les abdominaux gainés, la tête alignée avec le haut du dos et le sacrum. On vient faire une flexion et on revient. Gardez en tête que c'est beaucoup plus important de garder l'alignement tête haut du dos sacrum droit que d'aller très bas. Donc au mieux, faites juste un petit mouvement, mais gardez toujours l'alignement du dos. Version plus difficile, c'est simple. On fait simplement poser nos mains un petit peu plus bas. Donc, position plus basse, même chose, on descend et on remonte. Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Deuxième exercice, on l'appelle les dips. Donc, vous venez vous asseoir sur le banc. Vous posez les mains de chaque côté de vos fessiers. Vous avancez tranquillement les fessiers dans le vide en gardant un angle d'environ 90 degrés au niveau du genou. Vous venez fléchir les coudes, en les gardant près du corps. Donc, on ne vient pas ouvrir, on n'ouvre pas les coudes, on les garde vraiment près du corps et on vient faire une flexion. Je vous le montre une dernière fois. Flexion et on remonte. Même chose que Joanie, le dip. Par contre, nous, pour que ça soit un petit peu plus difficile, on va allonger nos jambes. Donc, bassin dans le vide, main de la largeur des épaules, les jambes un peu plus allongées et on descend et on remonte. T'es prête? Oui! Allons-y pour 12! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12! Troisième exercice du deuxième bloc, on le nomme le mountain climbing. Donc, les mains, comme durant le push-up, les mains largeur des épaules, sur la table, on garde les abdominaux bien gainés. Et ce qu'on va venir faire, c'est essayer de toucher le genou au coude. Je dis bien essayer, c'est vraiment pour créer un mouvement. Version plus difficile, comme dans les push-ups tout à l'heure.
Les mains sont un peu plus basses. Donc, même chose, position bien droite. Et on va venir monter le genou de chaque côté. Tu es prête? Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Génial! Première série faite. Donc, enchaînons tout de suite avec les push-ups. 1, 12. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Poursuivons avec les dips. Pour 12 toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reprend avec le mountain climbing. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça allait tellement bien qu'on en a fait quelques seuls de plus. Donc, pour le troisième bloc et le dernier, on poursuit avec, c'est les abdominaux. Donc, on le nomme le Superman. Les mains sur la table, toujours largeur des épaules. Ce qu'on va venir faire, en gardant vraiment les abdominaux bien gainés, on va venir allonger le bras opposé à la jambe. Donc, je vais commencer avec le bras gauche et la jambe droite. Et j'alterne. Ce qui est important dans l'exécution de cet exercice-là, c'est d'imaginer un bâton qui passe sur votre colonne vertébrale. Puis quand vous faites le mouvement, vous visualisez que le bâton reste sur votre colonne. Parce que sinon, ça ouvre trop et c'est ce qu'on veut éviter de faire durant l'exercice. Version plus difficile, même consigne que Joanie. Seule différence, c'est qu'on va être placé un petit peu plus bas. Donc, quasiment en position planche. Génial! On prend la position, on gaine bien les abdominaux. Allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Merveilleux! Le deuxième exercice, on le nomme le bateau. Pour ce qui est du bateau, je vous le montre de cette façon-là, ça va être plus facile pour vous de le visualiser. Donc, on vient contracter les abdominaux beaucoup et on est vraiment appuyé sur les ischions. Les ischions, ce sont les petits os au niveau des fessiers qui font pointu quand vous êtes assis, là. Vous êtes assis dessus et on vient maintenir la position comme ça. Donc, on essaie de garder les genoux près de soi. C'est toujours plus aidant de prendre le banc avec les mains pour garder la position. Donc, le dos est droit, les abdominaux contractés, les genoux ramenés, on fait le bateau et on maintient la position. Version plus difficile.
On va y aller, mais de façon dynamique. Donc, même position que Joanie nous mentionnait. Par contre, on va ramener les genoux et on extensionne. On ramène et on extensionne. Merveilleux! Donc, je vous montre la position de côté, Mélanie de face. Je vais laisser compter Mélanie ce coup-ci, vu que moi, je garde la position. Puis elle va pouvoir exécuter en mouvement. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super! Le dernier exercice, toujours pour les abdominaux, on le nomme la chaise. C'est un exercice, en fait, qui se fait sur la chaise pour les abdominaux. Assis bien droit, les fessiers au devant du siège, les bras en croix. On vient descendre, comme si je voulais aller m'appuyer sur la table, qui peut être très bien une chaise à votre domicile. Et on ramène. On descend. Et on ramène. Notez que je garde toujours mes pieds au sol et j'ai toujours les abdominaux bien contractés. Donc, il n'y a pas de pied qui lève. Je descends et je remonte. Version plus difficile. Simplement, avancer les fesses le plus possible et on va descendre un peu plus vers l'arrière. Donc, main appuyée, on descend et on relève. Allons-y pour 12 et c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Génial! On reprend avec le premier du troisième bloc. Lever une jambe à la fois, la planche. Aha! On y va. Position plus basse. Et c'est parti! Oui! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le deuxième exercice, le bateau. On enchaîne tout de suite. Je te laisse compter. C'est vrai, j'avais oublié. On y va. On ramène les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et un petit dernier, 12. Super! Et le dernier exercice qui se fait toujours assis, les bras en croix, allons-y pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ça complète la séance. On a passé à travers les trois blocs des trois exercices. Donc, on va terminer avec des grandes respirations conscientes à titre de retour au calme.
Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une grande inspiration par votre nez à partir de votre ventre. Donc, on fait gonfler le ventre comme un gros ballon. On inspire et on expire par la bouche en contractant les abdominaux et en remettant le ventre plat au final. Donc, allons-y pour trois. On inspire et on expire. On peut le faire avec un mouvement de bras aussi. Ça invite au repos, au calme après une séance. Donc, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Bravo pour votre séance! Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet. Veuillez garder en tête que plus vous allez bouger dans une journée et moins que vous aurez de temps assis, ce sera bénéfique pour votre santé. Amusez-vous bien! Et bon entraînement!